Wind blow, girl, I think of you. Weather for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? Why? You're making me the fumble, I tumble, I lose my mind. Tell me how to make you realize. So now you be the reason when a strong man they do totally, yeah. Baby, waiting be the thing where you put for my body, yeah. That thing where they officially make me misbehave. Hello à la team Fleur de Lotus. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous portez à merveille. Vous m'avez tellement manqué. Hey YouTube, c'est pas possible. En tout cas, moi, je vais très bien, très bien. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo-là, j'aimerais bien vous dire que je suis officiellement la nouvelle jeune grand-mère sur YouTube. Je suis, depuis le premier jour, je suis grand-mère. Comme je vous l'avais dit que... J'attendais ma petite fille, donc elle est née. Trop contente. Donc, je voulais partager cela avec vous. Et je voulais vous dire que dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. Il faut toujours croire, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Moi, je suis vraiment très reconnaissante chaque jour pour les enfants que j'ai eus. C'est une grâce pour moi. Je suis aussi reconnaissante pour ma petite fille qui vient de naître. Je suis très reconnaissante pour ça et je prie pour toutes les femmes qui veulent des enfants, qu'elles puissent avoir des enfants parce que c'est important pour nous les femmes, les enfants. Et vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur de partager cela avec vous et vous aussi, vous aurez aussi cette bénédiction, cette grâce-là. Donc, on va fermer la parenthèse aujourd'hui, comme vous savez. C'est, l'été a commencé depuis le 21 juin, chez nous ici. Donc depuis, je n'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo haul. Bon, il y a des gens qui sont sur ma chaîne qui n'aiment pas que je fasse des hauls, qui ne sont pas contents. Mais moi, je vais dire que je ne suis pas là pour ces genres de personnes. Je suis là pour ceux qui aiment bien ce que je fais. Et sur ma chaîne YouTube, c'est moi la patronne, c'est moi qui décide de ce que je fais sur ma chaîne. Donc, pour mes, comment on appelle, on va commencer le haut tout simplement, arrêter le bavardage pour ne pas que ça dure trop longtemps. YouTube m'a manqué, mes abonnés et tout. Donc, on va commencer, j'ai payé quelques petites affaires, c'est un petit haul, quelques petites affaires que je voulais bien partager avec vous. Avec le plan de l'outil, elle aime partager. Donc, on va commencer tout simplement. J'ai payé des boucles d'oreilles comme ça. J'espère que vous voyez où je vous mets une image juste à côté. Je les ai payées à Forever 21. Elles sont bien jolies. Mais le seul bémol, c'est qu'il y a des perles sur la devanture. Là, il y a une des perles qui a quitté. Donc, ça fait que. C'est pas très agréable, mais bon. Donc, je l'ai payé à $12.90 et je l'ai payé à Forever 21. Cette année, je suis allée tellement à Forever 21. Et j'ai payé aussi des robes longues, des maxi dress. Et j'ai payé ces lunettes-là parce que je voulais faire un look. Vous voyez, les bouts d'oreilles sont bleus. Donc, je voulais faire un look où j'allais porter des lunettes bleues comme ça. Je vais essayer pour vous. Comme ça. C'est la grand-mère, toujours sexy, chic. On ne va pas se laisser parce qu'on est grand-mère, hein, de toute façon. Donc voilà. Elle m'a coûté $8.90. Un truc comme ça. À Forever 21. Et je vais vous montrer un kimono. Moi, j'aime beaucoup les kimonos. Fait que je vais vous faire un lookbook de kimono. J'en ai trois comme ça. Et ce kimono-là. Vous allez voir, à chaque fois que je montre un article, il y a l'image qui vient à côté. Donc, vous allez voir, ce kimono-là, il est tellement beau. Je l'ai eu aussi à Forever 21. À chaque fois que je partais là-bas, je voyais ce kimono. J'ai dit, oh, mais comme il est beau avec ces couleurs-là, vers le bas et tout.
Il est beau, il est beau. Et puis, dernièrement, je suis partie, j'ai trouvé ce kimono. Là, il y a deux couleurs sur leur site. C'est vraiment très joli. Ça fait classe, ça fait habiller, tout simplement. Et il y avait une cote qui était dedans. Mais moi, quand je suis partie, j'étais tellement pressée d'avoir mon kimono que je n'ai même pas fait attention. Donc, si vous voulez l'acheter, faites attention quand vous partez l'acheter. Pour ne pas oublier la cote là-bas. Moi, je l'ai oublié. Ça fait un bout de temps que je l'ai. Donc, je n'ai pas pu retourner au magasin. Donc, combien m'a coûté le kimono? Le kimono coûtait 36,90 $. En tout cas, moi, je tradais. Je pensais qu'on allait solder ça pour que je puisse acheter. Mais ça n'a pas été soldé. Mais bon, je l'ai pris quand même. On va passer à la première robe. C'est une robe blanche. Et le tissu est en lin. Un genre de lin. Se froisse tellement vite que tout le temps, il faut repasser. Donc, très joli. Le col est... C'est un col bardo avec les manches longues comme ça. Et elle a deux, comment on appelle, deux cordes sur le devant. Vous pouvez la rabattre les cordes sur le devant, ramener derrière, ramener devant et puis faire le nœud. Ça dépend de vous. Très jolie, une robe longue comme ça. Et elle, je l'ai eue en solde, je pense. À Forever 21, elle coûtait $33,90 et je l'ai eu à $29,90. Très jolie. Et à Forever 21, on passe à la suivante robe. Elle est jaune. Je voulais une robe jaune. J'adore le jaune. Le jaune est tendance cette année. Et vraiment, moi aussi, j'aime beaucoup les cols bardo. Les cols bardo là, j'aime trop. J'aime trop. Donc là, vous voyez, elle est jaune. Vous voyez sur l'image, elle est longue, elle est belle. Elle est vraiment, le tissu est très beau et tout ça. Donc, elle m'a coûté, elle coûtait $43,90. Mais je l'ai eu à $34, donc 10%. Donc, vraiment, très jolie. Moi, je l'adore. Cette année-là, j'ai porté des robes longues. Je ne sais pas pourquoi, je suis attirée par des robes longues. Donc, on passe à la suivante. Celle-là est de couleur burgundy. J'aime tout, surtout les foufous qui sont sur le devant. Et le dos, il est croisé. C'est vraiment très chic comme robe. J'aime la couleur. Le jaune vient de Forever 21 aussi. Et cette robe aussi vient de Forever 21. Ces temps-là, c'est seulement Forever 21 que je vais. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est là-bas que les couleurs m'attirent plus. Et c'est la taille petite. Mais ça me flotte un peu. Je pense que je vais aller chez le tailleur. Elle m'a coûté $34,90. Elle n'était pas en solde. J'avais repéré ça sur leur site. Je ne sais pas si ça est toujours là. Je vais voir et vous mettre le lien si vous aimez. Mes chéris. Et on va passer à la suivante. Elle, encore, elle est de col bardo. En tout cas, je confonds col bardo, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, c'est une couleur orangée comme ça. Toujours col bardo. Et c'est une robe longue. Elle est très longue. Elle est venue avec une corde, mais j'ai enlevé la corde parce que la robe est un peu plus grande. Donc, je vais mettre la portée avec cette ceinture que vous voyez là sur l'image. Et elle m'a coûté... Elle était en solde $19,99. Elle coûtait $69. Donc, c'est une robe qui était un peu chère, mais en solde, ça va. Je ne l'ai pas... Où j'ai acheté cet habit-là, c'est dans un magasin proche de chez moi ici. Mais ils ont un site. Je vais vous mettre leur site là. Si les robes, vous avez ces robes-là, vous pouvez aller sur leur site pour aller voir si vous pouvez trouver ces genres de robes et tout. Parce que avec, comme elle est en solde, je ne sais pas si vous pouvez trouver, je ne pense pas. Et cette dernière robe là aussi vient du même magasin que la précédente. Elle est comme ça. On peut la porter comme une robe bustier. Elle est brodée sur le devant. On peut aussi la mettre avec des mains ou les enlever tout simplement. Elle est très longue. Très longue. Une belle robe. Une belle couleur. Moi je l'adore. J'ai fait une photo avec sur Instagram. Vous pouvez aller voir mon Instagram. Je vais vous mettre là. Fleur de Lotus 77. Oui, je pense bien sûr.
papa. Suivez-moi aussi sur Instagram, mes chéris. Hein? On est nombreux sur YouTube et puis sur Instagram, on est tout petit comme ça. Donc, vous voyez, la robe, elle est très belle. Donc, c'est ces petits achats-là que je voulais partager tout simplement avec vous. Je suis très contente de vous retrouver. Abonnez-vous. Je remercie mes anciens abonnés, mes nouvelles abonnées. En tout cas, je suis contente d'être là avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner toujours, toujours. Ça fait plaisir. Ça montre que vous soutenez la personne qui est Fleur de Lotus. Donc, merci de m'avoir suivi et dites-moi en commentaire, j'allais oublier, dites-moi en commentaire laquelle des robes, des articles que vous avez aimés. Donc, sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! My